Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Pay Evolution 2016 sur le virement des salaires. Nous allons voir toutes les procédures qu'il faut appliquer pour que lorsque vous souhaitez effectuer donc des virements pour régler les nettes à payer de vos salariés, donc voir tout ce qu'il faut faire au préalable pour que effectivement vous puissiez soit juste constater le virement des salaires, mais on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut générer un fichier des virements. Alors, première étape, il faut absolument que vous ayez créé votre banque ou vos banques secondaires donc de votre société. Donc la première chose à faire dans le menu base banque ici, c'est de créer soit vous avez une seule banque, donc là en fait il faut absolument renseigner effectivement donc alors le numéro de compte, ça c'est pour l'affectation comptable, mais ici domiciliation, ici vous donc vous indiquez le RIB de votre banque, et si vous avez donc des banques secondaires, vous faites créer et vous rajoutez comme celle-ci là, comme la BNP, les différentes banques, et nous verrons lors de l'établissement des virements, soit vous dites je vais payer avec ma banque principale, soit vous décidez ponctuellement et eh bien de changer de banque. La deuxième étape, c'est de bien veiller que dans les fiches salariés, vous ayez bien indiqué le mode virement et que vous ayez également indiqué le RIB du salarié. Donc pour cela, ici, vous voyez, vous avez l'onglet banque et là, donc ça, ici, vous voyez, c'est la banque de la société du salarié, pardon. Et ici, vous indiquez bien virement. Et là, voilà, c'est là où vous allez choisir la banque de votre société. Donc ça, dans l'onglet banque, il faut bien veiller que pour chaque salarié, vous ayez bien indiqué ici donc la banque du salarié avec son RIB. Et ici, donc, mode virement. Et là, l'organisme payeur, c'est-à-dire avec quelle banque, par défaut, parce que vous verrez qu'on peut changer, vous souhaitez donc faire le virement. Donc ça, bien sûr, il faut le faire pour chaque salarié. Et ensuite, après, effectivement, on va passer donc au virement des salaires. Alors, il y a une particularité, c'est que vous n'avez pas, à un moment donné, vous voyez, virement. Il faut faire ce qu'on appelle un état, donc état des paiements. Donc là, je vais le faire pour le mois de novembre. Donc là, exceptionnellement, je vais mettre le 17, hein, c'est la date d'aujourd'hui. Mais sinon, vous, bien sûr, vous mettriez le 5, le 30 novembre, voire le 5 décembre. Donc vous dites, je veux ici sélectionner tous les salariés que je paye par virement. Donc c'est pour ça que je vais laisser tous. C'est là que vous dites, eh bien, exceptionnellement, soit je règle avec ce mois-ci, en tout cas, ma banque principale, ou exceptionnellement, vous pouvez changer de banque. Ensuite, ici, vous prenez la norme. Donc là, normalement, c'est la norme SEPA. Et ensuite, effectivement, donc là, on va faire ce qu'on appelle un aperçu. Voilà. Donc là, déjà, l'aperçu va vous permettre de contrôler, voyez, si tous vos salariés ont bien été pris en compte, eh bien, je dirais pour le virement. Et là, il vous indique bien donc avec quelle banque vous allez effectuer votre virement. Et ensuite, on peut aller beaucoup plus loin. On peut générer donc le fichier de virement. Donc ici, vous avez le bouton virement des salaires, c'est pour ça qu'en fait vous ne l'avez que dans l'état des paiements. Donc quand on clique sur virement des salaires, ici, donc là je vais faire simple, je vais faire un fichier, et là donc il génère un fichier XML. Alors, on pourrait même mettre par email, vous pourrez très bien, si après vous avez des accords avec votre banque, envoyer votre fichier de virement par mail à votre banque, et là en fait vous mettez virement tout simplement. Et lui en fait il va me créer un fichier de virement, voilà, qui va mettre à m'être envoyé sur le bureau tout simplement. Voilà. Voilà, et là après c'est terminé. Voilà, donc là vous voyez, il me dit que en fait il a bien généré un fichier de 4 enregistrements et qu'il me l'a bien mis sur le bureau. Voilà, donc en fait hein, c'est relativement simple en termes de procédure, mais il faut bien veiller à avoir créé votre banque principale, à avoir donc créé toutes les banques, je dirais, de vos salariés, indiquer le mode de virement et bien sûr d'aller dans le menu État, paiement. Et là, après, effectivement, c'est là que vous allez déclencher ensuite votre fichier de virement.